une grande dépravation de la des mœurs de la gente, de la part de la gente féminine. Je vais plus m'adresser aux mamans. Je ne vais pas dire qu'elles sont irresponsables, mais que beaucoup de mamans aujourd'hui se laissent non plus assez d'autorité sur leurs enfants, surtout sur les filles, autant sur les filles que sur les garçons. Aujourd'hui, on se retrouve avec des filles de moins même de 18 ans qui aujourd'hui font des courses pour emmener dans les maisons de leur maman. C'est pas de la jalousie, hein, mes propos, honnêtement. Parce que tu vas faire une vidéo comme ça, excusez-moi, tu vas faire une vidéo comme ça, les gens de ma catégorie, là, tu vas faire une vidéo comme ça pour t'exprimer, on viendra te lyncher en commentaire en te disant tu cherches de la visibilité. Mais ça fait autant mal, en fait. Ça fait autant mal de voir des personnes qui pourraient avoir l'âge de ma petite sœur ou encore le même âge que moi, mais qui font vraiment des choses terribles, des choses pas ouais. possibles en fait. Et comme je disais, je vais m'adresser aux mamans parce que c'est inadmissible. Votre enfant est élève. C'est vous qui payez les cours de cet enfant. C'est vous qui... En fait, c'est vous qui êtes le tuteur, c'est vous qui faites tout pour cet enfant. Mais où est-ce que cet enfant gagne les sous pour venir vous faire, vous donner à manger à la maison? On a vu ça où? On a vu ça où? Pour beaucoup de mamans aujourd'hui, c'est normal. Laissez-moi ma fille, elle est encore jeune. Moi, je n'ai pas eu le temps. Je suis en train de mourir. Je dois manger. Oui, tu dois manger, mais pas en permettant à ta fille d'aller détruire sa vie. Parce que c'est la destruction. Nos sœurs se détruisent, beaucoup se détruisent parce que après quand tu vieillis, tu te rends compte que mais c'est quelle vie, c'est quel genre de vie que j'ai menée. À toutes les filles, à toutes les jeunes filles qui font les placements aujourd'hui, demain, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Tu verras ton enfant aller faire la prostitution. Est-ce que tu auras le courage de gronder, de blâmer ton enfant? Non. Parce que ton enfant te répondra en te disant, parce que même tu as vécu, toi-même tu as fait la famille, tu n'as rien à me dire. Et on voit ça aujourd'hui, c'est devenu pratique dans certaines maisons ici, chez nous au Gabon. Des enfants qui se permettent de répondre à leurs parents, mais comme si, je ne sais pas, comme si elles étaient nées avant. Et ce n'est pas bon. Chère maman, apprenez à être ferme dans vos décisions, en tout et pour tout. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants et un enfant n'a pas le droit de dépasser ses parents. Il y a des parents aujourd'hui, quand un autre parent essaie de venir lui parler, elle va dire « Ah, l'enfant là me dépasse ». Mais un enfant que tu as mis au monde ne peut pas te dépasser, c'est impossible. C'est impossible. Un enfant que tu as mis au monde ne peut pas te dépasser, surtout dans ce genre de choses. On a pu voir des vidéos ici sur TikTok où une vidéo sur TikTok où une mère ne savait même pas que son enfant avait un iPhone dans la maison parce qu'elle-même, elle n'a pas de téléphone Android, mais son enfant n'a même pas les Android, je ne sais pas, mais elle a un téléphone de luxe dans la maison. Qui te l'a acheté? C'est juste après que la mère découvre que son enfant fait les placements. Donc, vous voyez un peu que la jeunesse, la gente féminine se détruit aujourd'hui. La gente féminine se détruit aujourd'hui à cause du suivisme. Certainement, ce ne sont pas les parents, mais c'est le suivisme. Chère sœur, tu ne peux pas aller tu ne peux pas aller prendre une vie que tes parents ne t'ont pas donnée et t'accaparer de celle-ci. Tu ne sais pas comment ton ami fait pour avoir de l'argent. Il y a des enfants qui sont violés dans leur propre maison juste parce que les parents ont l'argent. Il y a des parents qui couchent avec leurs enfants juste pour... Ça, c'est très bien véhiculé et nos sœurs gabonaises doivent comprendre vraiment ce message. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose par-dessus tout, c'est que vous devez comprendre que le mode de vie au Gabon a permis à tout le monde de faire n'importe quoi pour s'en sortir. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous pouvons voir l'enfant avec une blessure au pied, mais cherchons aussi à savoir qu'est-ce qui a poussé l'enfant à se blesser, l'enfant a chuté, où est-ce que l'enfant est tombé. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. La vie est tellement dure au Gabon, nous étions privés de beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui ce que nous écoutons. Vous comprenez par exemple une entreprise comme Faubert, où il n'y a que des Camerounais à l'intérieur. On ne recrute pas les Gabonais. Pourtant, le président Oligui, dans son discours, a dit que, je crois, BGFI, qui est une société gabonaise aux côtés du Sénégal, n'embauche que les Sénégalais. À l'intérieur, il n'y a que deux Gabonais. Donc nous, on doit aussi prendre compte de ce côté, sans rejeter le conseil.
conseil que notre jeune sœur vient de donner, de comprendre que le mot désir aussi a poussé nos jeunes sœurs vraiment à faire du n'importe quoi pour s'en sortir. Vous croyez qu'une jeune sœur, par exemple, le papa, par exemple, ne travaille pas, maman ne travaille pas, c'est dur. C'est dur pour les deux. Ça fait des petits bricoles pour nourrir les enfants. Et vous connaissez la dépense plus que l'homme. Une femme, il faut la savonnette, il faut la crème, il faut les serviettes des femmes, veuillez m'excuser de l'expression, il faut beaucoup de choses pour une femme. Donc vous voyez que quand elle n'a pas ces choses, elle est obligée de se donner. Donc de ce côté, je le comprends entre guillemets, parce que le mot désir a encouragé la jeunesse gabonaise à faire du n'importe quoi. Okay. Mais s'il y avait le travail et beaucoup de choses, je crois que tout ça là, peut-être que ça ne devait pas être aussi grand comme il est maintenant. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter un peu sur le conseil que notre sœur vient de donner. Très important de voir aussi la blessure. Merci. On va donner la parole à Sexy. Sexy, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour la famille. Bonjour. Oui, moi je voulais d'abord répondre ce que le frère avait dit d'abord. Je voulais d'abord lui répondre pour son discours. Tu sais, on il a dit, hein, l'autre côté il a bien parlé, l'autre côté le frère a boité. Il a boité parce que quoi? Quand il dit que si tu ne pouvais pas amener un étranger au commissariat parce que le commissariat était au-dessus de Gabonais. Non, quand tu pars, moi-même, ma soeur, il y a un Gabonais qui l'a cassé les pieds à cause de